La mobilisation continue au sein d'Alcatel-Lucent à Vélizy suite à l'annonce de la suppression de plus de 1400 postes en France. La direction prévoit également la fermeture de ce site historique des Yvelines. L'activité devrait être transférée à Nozay dans l'Essonne avant septembre 2013. Ce matin, syndicats et salariés ont organisé le blocage d'un bâtiment, une troisième action coup de poing afin de faire plier la direction. C'était l'occasion pour nous de montrer qu'on est capable aussi de perturber un peu le travail et que le plan de licenciement et la fermeture de Vélizy, ça ne se passera pas en douceur. À 10h, on avait une assemblée générale avec les salariés. On a eu 600 personnes quand même qui sont venues à cette assemblée générale pour un effectif ici qui est autour de 2100, mais a priori quand même moins de salariés présents avec le télétravail, etc. 600 personnes, c'est pas mal. On est assez content de la mobilisation pour l'instant. L'objectif de l'Assemblée Générale, c'était de discuter, enfin de présenter aux collègues les actions qui sont prévues. Ce qu'on a de prévu, c'est une manifestation jusqu'à la mairie de Vélizy pour parler aussi de la fermeture du site, parce que les licenciements, c'est grave. La fermeture du site, c'est un des moyens qu'utilise la direction pour pousser les gens à démissionner pour réaliser son plan de licenciement. Donc nous, on combat à la fois les licenciements et la fermeture du site. On a aussi en prévision une manifestation au siège social rue de Suffren à Paris. Probablement une manifestation à l'occasion du CCE fin novembre où on commencera à discuter effectivement des vraies mesures qui vont être mises en œuvre pour le plan de licenciement. Et là on continue d'essayer de mobiliser et de monter en puissance sur cette mobilisation. La question de la grève a été évoquée aujourd'hui. Je pense qu'on finira par en arriver là si la direction ne recule pas.